Bonjour monsieur! Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va super. Par contre, c'était pas quelqu'un d'autre avant le marchand de glace? Oui, non, mais j'ai racheté sa boîte, voilà. D'accord, ok. D'ailleurs, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Mais oui, c'est normal, je suis Blippi, l'aventurier. Eh ouais. Blippi l'aventurier? Les amis, Ouais. dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous connaissez un certain Blippi? Vous serez pas connu par hasard? Ouais, j'ai une chaîne YouTube. Ouais, je fais des vidéos pour les enfants, pour leur apprendre des choses. C'est voilà. Ouais, Oh, trop bien, vous êtes un peu un éducateur animateur, quoi. voilà, je suis un éducationniste. Enfin, je fais des vidéos éducatives, quoi. Voilà, on va dire ça. Ah oui, je pense que mes abonnés ils doivent sûrement vous adorer, non? Moi aussi, je les adore. Ah oui, bah oui, c'est normal, vous aimez votre travail, quoi. J'aime travailler, oui, c'est sûr. Ok. Bon, en tout cas, moi je suis venu prendre une petite glace. Est-ce qu'il vous reste une petite glace? À quel goût, mon jeune homme? Qu'est-ce que vous proposez? Nous avons tous les goûts. Alors attendez, je vais aller voir. Donc là, on peut voir que monsieur propose du gâteau, des mug cakes et des glaces. Donc on a. Par contre, c'est quoi la glace verte là? L'air un peu. C'est un peu une glace crotte de nez, non? C'est la glace à la pistache, monsieur. Ah d'accord, ok, c'est une glace pistache, ok, autant pour moi. Et la glace. Alors c'est quoi? C'est une glace au caca ça? Oui, c'est ça exactement. Non. Plus sérieusement, c'est quoi? Des glaces au chocolat, évidemment. Ah, c'est une glace au chocolat. Ok, ça marche. Bon, je crois que ma préférée, c'est plutôt la glace à la fraise. Est-ce qu'il vous en reste? Vous avez un goût parfait, monsieur. Tenez, allez hop, je vous fais ça. Ok, merci beaucoup, monsieur. Pas de problème, allez à l'arboyure. Oui, d'ailleurs, j'ai une petite question. Je vous en prie. Aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube, est-ce que vous pouvez leur offrir des glaces? J'offre des glaces à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Ouais, allez. Ok les amis, vous avez entendu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, à tout à l'heure monsieur. À tout à l'heure. Oui, bon, les amis, je suis vraiment étonné qu'il y ait Blippi sur Minecraft. D'ailleurs les amis, je pense que la plupart d'entre vous, vous devez savoir qui c'est. Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne savent pas du tout qui c'est. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va y aller dans notre ordinateur et on va essayer de voir qui c'est. Les amis, je suis sur mon ordinateur comme vous pouvez le voir et on a juste à taper Blippi. Et regardez les amis, Blippi visite école maternelle. Je crois que c'est une série. Attendez, images. Oh, oui, c'est bien lui les amis. C'est bien le nouveau marchand de glace. Mais attendez les amis. Donc regardez les amis ce que j'ai trouvé sur Google. Hop. Et qu'est-ce qu'on a? Regardez. Mais ce serait pas Blippi.exe? Oh, il fait terriblement peur avec ses dents. Et regardez-moi ses yeux. On dirait qu'il y a du sang. Attendez, si je lis bien, il y a marqué secret de base. Attendez, vous êtes en train de me dire que Blippi.exe a une base secrète dans Minecraft? Bon, vous savez quoi les amis? Mettez tout de suite un gros pouce bleu et partons à la recherche de sa fameuse base secrète. Allez, let's go, on va se diriger vers le camion de classe et je pense que sa base secrète doit se situer vraiment pas loin. Allez, let's go. Oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, bon. Du coup, sa base secrète. Alors déjà, Blippi a disparu. Ah, si Blippi est juste là, regardez. Ok, bon, vous savez quoi? On va l'espionner un peu pour voir ce qu'il fait. Ok. Allez les enfants, venez, j'ai des glaces, qui en veut, j'ai des granitas, les enfants, les amis. Il voit pas qu'il y a personne. En même temps, il fait nuit, donc je vois pas pourquoi il attire des gens. Il essaie d'attirer Il des veut gens. des frites, je fais des frites aussi. Il Bon, où y est-ce avoir qu'il un va repas là? peut-être. Hop. Personne. What? Les amis, je crois que Blippi vient de disparaître. Attendez. Hop, j'arrive. Wesh, mais Blippi il a disparu. Mais attendez, mais il a fait de la magie ou quoi? Ah, il est peut-être sorti par derrière. Je crois qu'il est peut-être sorti par là, non? Bah non, c'est pas possible puisque regardez, ici c'est fermé. Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est passé? Bah, attendez, soit c'est un magicien, ou soit il s'est fait, ou soit il s'est volatilisé, je sais pas. Attendez, poussez-vous. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ok, donc là je peux rentrer dans le camion de classe
Et peut-être que dans le camion de glace, il y a quelque chose pour se téléporter ou quelque chose comme ça. Ah, ici, un bouton. Ah non, c'est pour ouvrir la porte. Je sais pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des granités, de la glace. Dans cette armoire. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bouton? Si je clique dessus, bah, il se passe rien. Au-dessus, il se passe rien. Et si je clique en bas. What? Bah. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un espèce d'ascenseur là, non? Je crois qu'il y a un espèce d'ascenseur. Attendez, on va essayer de le rappeler. Donc, dès qu'il. Ok, il est remonté, hop. On descend et. Oh! Regardez les amis! Ça nous emmène dans un endroit secret! Oh! Qu'est-ce que c'est que cette salle? On est dans une. Pas secrète? Ma machine à granit, est-ce qu'elle est parfaitement faite? Blippi? Oh, qu'est-ce que tu fais ça, toi, ici? Oh! Bah en fait j'étais en train de te chercher et je suis tombé dans cette base secrète, c'est chez toi ici? Non, on est fermé là, faut sortir, hein, faut sortir, on est fermé. Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces gros jets d'eau là? Bah c'est les granités, ils sont en train de glacier. Ça c'est pour certaines potions. Attends, et... tes granités tu les fabriques chimiquement? Mais ça c'est pour faire les boîtes, voilà. J'arrive plus à l'expliquer. D'accord, ok. Et attends, viens voir ces granités-là, ils ont quel goût? Parce que j'ai l'impression qu'ici c'est goussant ou... C'est quoi ça? Non, ok. Ça c'est goût tropical, ça c'est goût fraise et ça c'est goût menthe. Non, je sais pas c'est quel goût. T'es sûr de toi, hein? Oui, t'inquiète. Et ça c'est pour se soigner, ça c'est pour faire à manger, parce voilà, que... maintenant t'as tout vu, tu peux sortir, hein? Parce que quand même c'est super étrange, parce que la couleur est d'un côté orange et d'un autre côté rouge, donc je trouve ça quand même suspect, hein. C'est pour faire du feu, allez, sors. Non, je ne sortirai pas là, je... Ah, tu reviens, on est pas chez... Oh, on est chez moi là, tu sors. Attends, par contre, les amis, je suis en train de ressentir une odeur de cadavre. Mais non, t'es chez moi, je te rappelle, t'as pas le droit d'être ici, allez dehors. Wow. Bon, oh, il m'a carrément renvoyé au-dessus. Oh, bon, les amis, comme vous avez pu le voir, Blippi est très étrange. D'ailleurs, l'odeur qu'il y a dans sa base secrète est également super étrange. Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va fouiller complètement sa base secrète jusqu'à retrouver quelque chose. Je pense qu'on risque de retrouver des cadavres ou je sais pas, puisque comme vous avez pu le voir, Blippi était pas dans son état normal, mais plutôt en Blippi.exe. Allez, on redescend. Voilà, ça va pas se passer comme ça. En plus, c'est ma ville. Ok. Chez zombies, je vous explique. Ce qui se passe, c'est que vous allez... vous occupez de lui, ok? Allez. Ouais. On y va, là, les enfants, hein? Ok, allez. Attendez, je rêve ou il est en train de faire spawn des zombies, là, pour m'attaquer? Blippi! Si vous le trouvez, vous le mangez. Non, Blippi, qu'est-ce que t'es en train de faire? Blippi, t'es... Mais je parle pas de toi, je parle d'un asticot. Ouais, mais regarde, là, il y a des zombies qui m'attaquent quelque chose. Oh, quel dommage! Je peux pas t'aider, quel dommage. Non, Blippi, j'ai pas envie de me transformer en zombie, tu l'as tué. Non, tu es gentil, moi je vais les tuer. Lâchez mon ami Zochizan. Et pourquoi t'es encore ici, Zochizan? Voilà, merci Blippi. Pourquoi t'es encore ici? Bah, parce que, déjà, qu'est-ce que tu fais avec un couteau et pourquoi tu es rempli de sang? C'est parce que c'est la dinde, voilà. La dinde, voilà, de Noël. Et ça, un couteau, bah, c'est parce que, bah, voilà, c'est un couteau. Je cuisine comment? Ouais, bon, bah, du coup, si tu fais rien de mal, ça te dérange pas que je reste ici? Non, t'as pas le droit de rester ici. Est-ce que tu restes dans les coulisses d'un magicien? Non. Alors tu peux sortir, tu peux disposer. Bon, tu sais quoi? Occupe-toi de tes zombies là-bas. Là-bas, il y avait tes zombies, occupe-toi de tes zombies. Encore? Oh non, mais c'est pas vrai ça. Bon, les amis, attendez. Je vais essayer de sentir d'où provient l'odeur. Attendez. Ok, ici ça va. Attendez. T'as l'air d'être fan de mes granités, toi. Ouais, t'inquiète. Tu peux sortir, hein. Attends. Les amis, je ne vois pas que ça a pas du tout l'odeur de la fraise. Ça a vraiment l'odeur de... Comment dire? Je crois que c'est un peu l'odeur du sang. Bon, je sais pas du tout si ça a une odeur, mais voilà, c'est l'odeur du sang. Et ça, c'est... Ok. Je crois que c'est l'odeur des... Attendez, ça peut pas être une odeur de crotte de nez, ça. Parce que... Ouais, bon, ça, c'est super étrange. Et ici, les amis, je sens une forte odeur de... Du cadavre. Attendez. C'est super étrange qu'il y ait autant de tableaux. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose caché? Ce qu'il y a dans le frigo, parce que tu peux encore enlever là. Regardez. Oh, tu fais quoi? Mais oh, la vie privée. Qu'est-ce que c'est que ça?
Non mais c'est la remise, c'est là où on met les voilà quoi. Attends. Là, ok, on a des aliments normaux, mais l'odeur. Oui, les normaux. Des... Ouais, oui, voilà, des aliments normaux. Excuse-moi, c'est bon, pas besoin de me corriger, même si t'es éducateur. Oui, si, si. Attends. Ok, j'ai l'impression de sentir une odeur par ici. Ouais, ouais. Mais non, c'est ça là qui dérange sûrement ça. Oui. Les épices. Oui, oui, voilà, tu fais oublier. Non, je pense pas que ce soit ça les épices, les amis. Pourquoi tu te mets là-bas, toi? Non, mais là, c'est parce que j'aime bien ces épices. Elles font une bonne odeur, je trouve. Bon, t'as tout visité, voilà, je voulais pas te montrer, en fait. Mais voilà, je suis très fan de ce moule, voilà, de moule, voilà, de 8. Non, les amis, j'ai l'impression qu'il est en train de cacher quelque chose ici. Est-ce qu'il y aurait pas un levier ou... Y'a rien, mais... What? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'est quoi cette salle? Oh, l'odeur, elle devient de plus en plus forte. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que tu as même compris. Bon, on est chez moi, ok? Ça, c'est ma base. Ça, c'est chez moi, ça. Là, il y a une petite rivière de sang qui a été observée par... Mais Blippi, attends, t'es en train de me dire que tes glaces et tes granités à la fraise sont faits à base de sang? Non, pas du tout. Menteur, regarde. Où est-ce qu'ils sont passés, alors? Bah, de quoi? Mais bah là, je vois des cadavres et tout. Bah, ils sont morts. Tu veux que ça passait où? Oui, mais tu leur as fait quoi? Hein? Je leur ai extrait tout leur sang, quoi. Oh, les amis, vous avez entendu? Et c'est à base de ça que tu fais tes granités, tes milkshakes, bon, et tous tes gâteaux. Ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue, c'est à base de ça. Mais c'est un meilleur goût. D'ailleurs, toi-même, t'as aimé, non? Ouais, c'était bon, mais je savais pas que c'était ça, quoi. Et alors, t'as aimé, voilà. Bah, je suis désolé, mais j'avais juste pris... Attends, tu sais quoi, j'avais pris une petite cuillère. Tiens, ta glace, je te la retourne. Voilà, tu peux la récupérer. Non, garde là, c'est bon, ça me va, j'ai pas très peur. Non. Et attendez, qu'est-ce que c'est que cette... Ah, ok, c'est ici que tu dors? Ouais, bah, oui. Oh là là, et c'est horrible. Et ici, attends, mais... Y'a quelqu'un chez toi ou quoi? Bah, pourquoi? Bah pourquoi? Ok, là je peux comprendre que tu peux t'installer, mais devant toi c'est qui s'installe ici? Bah c'est mon doudou. Ah, c'est ton doudou? Non, c'est pas vrai, j'ai personne, j'ai pas d'amis. Bah pourquoi t'as installé deux couverts? Ah, pour me sentir moins seul. D'accord, ok, donc tu manges tout seul quoi en fait. Oui. Voilà, c'est bon, t'as vu maintenant, tu vas partir, voilà, allez sors. D'accord, ok. En fait non, tu reviens. Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, viens. Quoi? Bon, tu vas pas sortir d'ici avant que je t'ai fait pas cette émission. Quoi? Non, mais ouvre-moi, t'inquiète, je dirai rien à personne. Non, c'est fini. Non, mais toi, t'as voulu faire... Tu vas sortir d'ici? Oui, je vais sortir, donc ouvre-moi. Tu vas faire l'émission que je vais te donner. D'accord, alors des missions pas faciles, hein? Justement, si, des missions faciles. Ah, oh, non, t'as demandé des pas faciles, bah écoute, tu seras servi. Non, mais je me suis trompé. Chut. Bon, on va commencer. Ok. Quelle est cette couleur? Ça, je sais. C'est la couleur rouge. Ouais, voilà, c'est bien. Non, c'est faux, c'est du rouge sang. On appelle ça du rouge sang. Ok, bon, bah, du rouge sang. Et ça, c'est quelle couleur, ça? Ça, c'est... Wow, il fait peur. Du gris. Ouais, c'est bien. Continuons. Ouais. Cette dinde de l'OL. C'est quelle couleur? Attends, c'est une dinde ou c'est du chien là? C'est quoi cette viande? Bah c'est de la dinde. C'est la dinde. Ok, d'accord. Bon bah ça a la couleur rose et ses os bah ils sont blancs. Mm-hmm. Tu vois, je suis trop fort. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, non. Tiens. Oula. J'ai ta faim. Attends, tu viens de le cuire au barbecue? Non, le. Ok, merci. C'est bon, j'ai mangé. Hop. Merci. La couleur. Quelle est la couleur de cette fleur? Cette fleur est jaune. Ouais, c'est bien. T'es trop fort, mais c'est ce que tu mérites. Ouais, je mérite de sortir. Non, tu mérites de tomber dans la lave. Ah non, le sang. Il est... Oh, mais t'es complètement malade. Mais non, là je vais bien, là tranquille. J'ai failli avoir des maladies, mais. Ouais. Bon, tu sais quoi, vas-y, suis-moi. Hop. Viens. Allez, hop. Juste ouvre-moi. Oui, mais oui, bien sûr. Continuons notre visite, alors. Où en étions-nous? Oh, je sais, tu sais ce que tu vas me faire? Ouais. Tu vas me débarrasser de cette odeur pas bonne. Ouais, c'est vrai que l'odeur, elle est un peu dégueulasse. Hop.
plus vite, hein, toutes les odeurs, même les odeurs bizarres et tout, tu vas tout me débarrasser. Oui, t'inquiète pas, après je mettrai même du Febreze, tout ce que tu voudras. Du quoi? Du Febreze, en gros du désodorisant. Je sais pas, moi je suis dans une grotte, moi. Oui, bah je vois ça, hein. Bon, je viens de retirer tous les cadavres ainsi que le sang, qu'est-ce qu'on pourrait retirer d'autre? Bon, ici pour l'instant c'est propre, et en dessous de la maison, qu'est-ce qu'on a? Attendez, je regarde en dessous, oula. Hop, je regarde bien, en dessous de la maison, rien du tout. Bon bah, ici c'est propre à présent. Oui, oui. Par contre, j'ai pas envie de te voir en train de faire caca, donc tu peux m'ouvrir s'il te plaît? Non, non, on n'a pas fini. Mais, au pire, moi j'ai un jeu, viens, 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 t'inquiète, ouvre-moi, fais-moi confiance. Non, j'ouvre pas, tu vas me suivre. Et alors, t'as tout enlevé, il se passe quoi à la prep? Il y a encore des trucs là? Mais tu... Allez, dépêche-toi. Tu veux que j'enlève ça comment? Ah, bah merci. Hop. J'enlève le sang, ok, let's go. Et mets-moi une meilleure odeur, allez, dépêche-toi. Ouais, c'est mieux qu'on mette que de l'eau. Hop, tada. Tu l'as mal mis, la fontaine, tu vois bien qu'il manque un bloc là-haut, là, oh. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà. Non, 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 c'est n'importe quoi, je te payerai pas ce mois-ci, hein. Ok, attends, attends, hop, tada. Ouais, on va dire que ça passe pour un débutant. Voilà, maintenant suis-moi, moi j'ai un jeu pour toi. Si, dis-moi. T'inquiète, juste ouvre-moi, je te montre. Non, non. Si, si, t'inquiète, t'inquiète, tu peux me faire confiance, juste... Non, non. Non, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai mieux. Quoi? En fait, j'ai un peu chaud ici, tu vas me construire une piscine. Ouais, ok, merci pour la pioche. Allez, hop. Est-ce que je peux... Ah, je crois que t'as compris, toi, hein. Si, si, attends, pousse ça, pousse ça, pousse ça. Non, tu vas essayer, hein. Suis-moi. Allez, suis-moi, parce que là, ces missions, elles sont vraiment éclatées. Viens voir. Quoi? Regarde, viens voir, viens voir, viens voir. Bon, toi je sais que dans sur ta chaîne tout à l'heure, j'ai vite fait regarder, j'ai vu que tu faisais un peu des vidéos d'éducation et tout, par rapport aux couleurs et tout. Moi je te propose de faire un petit questionnaire sur ces fruits là. Bah vas-y, fais-le toi, vas-y alors, ce fruit c'est quoi là? Bah moi je connais, mais moi c'est pour savoir si toi tu connais. Ça s'appelle une pomme ça. Oui bah oui je sais, regarde viens voir. Comment s'appelle ce truc orange là? C'est une orange. Ouais bah c'est facile parce que t'as dit la couleur. Ouais. Et ça s'appelle comment ça? Ah, c'est des betteraves ça. Non, c'est des radis. Non, c'est des betteraves. Ah bah je me suis trompé alors. Les radis c'est un truc blanc tout devant. Ah oui, c'est vrai possible. Qu'est-ce que c'est que ça là, l'espèce de d'arc? Ça s'appelle des crevettes. Voilà, des crevettes, super. Et regarde, oh, regarde là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des espèces d'araignées. Des langoustes. Oh, c'est des langoustes. Oui, c'est des langoustes. Ok, bon bah super. Et là, c'est quoi? C'est des cookies, c'est ça? C'est des cookies parfumés au sucre de couleurs différentes. Ok, ça marche. Bon bah, Blippi, je vais devoir te laisser et... Attends, mais je crois que t'as bien compris, t'es mon prisonnier, hein? Oui, mais je reviendrai prochainement, t'inquiète. Non, non, j'arrive, hein, je vais chercher les objets, hein. J'arrive, tu vas voir. Oh là là, ok, bon. Les amis, on en profite pour se tailler. Allez, on remonte à la surface.